Salut à tous, c'est Samson, surtout pour une nouvelle vidéo du festif du Peugeot 2008. Donc le festif du Peugeot 2008, il sera présent dans la vidéo. Par contre, je tiens à m'excuser si la vidéo est un peu courte. Par contre, parce que il vient d'arriver en concession aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je l'ai filmé, il était encore en plaque W Garage. Donc là, c'était le pack qui vient du pack de pack W Garage pour qui était sur du coup, il est arrivé en concession aujourd'hui. Et du coup, les gens voulaient beaucoup le regarder. Donc, du coup, j'ai dû faire une vidéo pas trop longue. Le truc est dur. Elle dure pas 18 minutes ou 10 minutes. Même pas 10 minutes, je crois. Moins de 10 minutes, ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, désolé si la vidéo est un peu courte et qu'on voit pas trop la voiture. Mais bon, les gens voulaient regarder. Ils ouvraient la porte, ils me regardaient filmer, présenter la voiture et tout. Un peu dedans. Donc, bref. C'est quand même. Bon, quand je voulais présenter, j'ai mieux que rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà. Vous avez une navigation là, mais vous allez sur le height of off, donc vous pouvez mettre. Attaque la présentation de ce nouveau 2008. Donc le 2008, voilà, il a ce badge là, donc le nouveau badge 2008, la nouvelle carte qui est un peu inspirée de la 408, qui ressemble beaucoup à la 408, bah, parce que c'est inspiré, voilà. Après on a les trois crocs séparés comme ça. Moi je suis moins fan mais que l'ancien croc du phase 1, mais sinon ça reste joli, ça marche bien. Les phares, voilà, c'est les phares LED, c'est un GT en électrique, t'sais. Électrique, voilà le badge là. Donc il a ces jantes là en 215-60 en 17 pouces, les pneus continentales là, avec ce design de jantes là, trop stylé, je trouve. Je trouve que ces jantes qui marchent bien, tout comme les jantes 20 pouces de la 408. Le rétroviseur noir, il est en biton noir et bleu vertigo celui-là. Donc le 2008, bah, sur le côté de profil, il n'a pas énormément changé, que ce soit sur le phase 1 ou le phase 2. Après les phares, maintenant il est marqué Peugeot dedans, ça c'est un petit détail discret mais ça marche bien. Après on a les phares arrière qui sont passés translucides maintenant sur le phase 2. Translucides. Donc on a le badge GT parce que c'est une finition GT. On a l'inscription Peugeot, comme ça en toutes lettres. L'inscription I2008, alors il existe en thermique aussi, en aile de PureTech 100 et 130 chevaux. Donc voilà, ici dedans il y a le câble pour charger, il y a le truc anti-crevaison, etc. Ça c'est ils mettent partout maintenant dans toutes les marques. Hop. Il est encore en plaque garage d'ailleurs, tellement il vient d'arriver. Il vient d'arriver en concession. Ah ça marche pas, mais dedans il y a la prise pour charger. On va se mettre derrière, bon c'est un 2008 donc normalement ça devrait pas être trop compliqué. Hop. Et donc. Intérieur, bon j'ai la pute-tête qui est sur mon cou donc je suis pas très très bien, mais une fois qu'on a réglé ça, bah franchement on est bien assis, intérieur en tape et en tissu avec les surpiqûres vert adamite, ça s'appelle chez Peugeot et pas kryptonite comme ils disent certains youtubeurs. Donc on a du tape, voilà, du très très beau tape, voilà, tape, c'est du tape quoi, simplement. Pour la place du milieu, bah forcément on est un peu moins bien parce qu'il y a le tunnel central qui est sur pratiquement toutes les voitures pour la transmission. Et sinon, donc voilà, tape tissu, ceinture, etc. Voilà. Tout en tape derrière, en plastique derrière pour mieux faciliter le nettoyage. Donc on a l'avant que je vais vous montrer. Petit faux carbone, voilà. Tout comme le phase 1, c'est un petit restylage. On passe à l'avant. Donc on a le volant en cuir, finition GT. Pas mal, non? C'est français.
avec le badge en noir comme ça, avec le... Donc on a l'airbag, les boutons qui sont à peu près les mêmes que sur le phase 1, c'est juste, ils ont juste changé le nouveau logo en plus. Voilà. Ici on a ça qui, hop, qui sert soit d'accoudoir, soit de rangement, où on peut pas mettre beaucoup de trucs, mais ça devrait, je pense, suffire pour un 2008, parce que même moi je pense que ça pourrait suffire à la place du rangement qui est dans le 3008, parce que sinon tu vas... parce que je mets jamais 3 milliards de trucs. Donc là on a les boutons pour les modes de conduite, pour le mode confort, sport et normal. Ça c'est le repose-poignet pour utiliser le sélecteur. L'écran qui est la nouvelle interface Stellantis que je vais pas vous montrer parce que je vais présenter en détail sur, sur les 408, sur la 408 et la 308. Donc ça, c'est la même interface, ça marche tout pareil. Donc ici on a les boutons en tactile. On a les boutons tactiles, ça c'est les touches piano black qui a, sauf le bouton warning, mais sinon voilà. Les prises USB type C. On a deux types C parce qu'avant on avait un type C, un type A sur le phase 1. D'ailleurs, là-bas de phase 1, qu'on voit pas, mais bon, c'est pas grave. Et ça, c'est le rangement du téléphone que je vous ai présenté dans la 208 GT, qui est exactement le même. Ça, ça n'a pas bougé. Sinon, voilà, frein électrique. Voilà. Beaucoup de piano black. Ça, c'est pour... là, ça, à nettoyer, c'est un enfer. Ça se salit vite. Donc, la boîte à gants qui... ah, le bouton est là. Qui est... très, voilà, on peut pas mettre énormément de trucs dedans, c'est vraiment pas fou. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux comme boîte à gants. Ici, plastique surpiqué qui donne un effet cuir, mais c'est pas du cuir. Ça, c'est du plastique moussé. Voilà, du carbone, enfin, du plastique faux carbone, mais qui est moussé d'ailleurs sur ces parties-là, c'est du moussé. Et sinon, voilà. Voilà, sinon, après, le bas des portes en plastique, les boutons, c'est les mêmes, ça, c'est pareil. Ça n'a pas énormément de trucs qui changent avec le phase 1. Ici on a le comment dire, on a la sono qui passe à le haut-parleur. Voilà. Les commodos qui sont toujours les commodos de 307 qui sont toujours dispo depuis je sais pas combien d'années maintenant, chez Peugeot. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vidéo rapide hein, du coup comme je vous l'ai dit. Mais après le 2008 il vient d'arriver en concession, le facelift. Sinon, c'est ça où je vous filme le phase 1. Et comme le phase 1, il sort en 2019, il est sorti. Je ne peux pas vous filmer un truc qui date de 2019. Et le nouveau, autant filmer le nouveau, c'est le GT. Donc voilà, ce n'est pas la finition active. En parlant des finitions, le GT que j'ai filmé, il est pas mal. Il y a quand même des trucs à dire, mais bon, c'est des trucs qu'il y avait sur le phase 1. Donc ça, ça n'a pas changé avec le phase 2. Dommage, d'ailleurs, ils ont pu faire des modifs un peu. Notamment la boîte à gants qui, je trouve, est trop petite. Oui, on n'y met vraiment pas grand chose dedans. Ça, c'est vraiment dommage. Sinon, dans l'ensemble, ça, c'est une très bonne voiture, ce 2008. Malgré le Commodore 307 aussi, c'est ça que je reproche. Mais le nouveau 3008 qui va sortir en 2024, ils seront changés. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai le Commodore 307, ça fait 15 ans qu'ils existent. À un bout d'un moment, je commence à pas en avoir marre. Quoi. Et je pense que je suis pas le seul à dire ça. Après, je pense que si je dois vous conseiller une bonne version sur ce 2008, c'est minimum la finition Allure. Prenez la finition Allure minimum à partir de 27 000 euros avec le pur Texan 100 chevaux. Parce que sinon, parce que le problème de l'Active, c'est que l'Active, je trouve qu'il fait vraiment pas envie pour le prix en fait. Parce qu'il est à partir de 25 000 euros. À 25 000 euros l'Active. Un peu cher, surtout qu'en plus il a même pas le cockpit 3D, un goûteur à aiguille, le démarrage avec la clé là, tu fais ça, tic, ça, bon, en 2003 quand même, hein. Donc forcément, voilà, et je pense que le top, si vous n'avez pas les moyens pour le GT, mais que vous avez moyen pour l'Allure, prenez l'Allure, ne prenez pas l'Active, je préfère plus que vous preniez l'Allure, sans aucune option, plutôt que l'Active avec 2-3 options. Parce que l'Active avec 2-3 options, bah, c'est pas plus foufou. Quoi. Vous allez arriver au prix sans option de l'Allure pour finalement un 2008 Active avec 2-3 options. Donc je pense que le mieux, prenez une version Allure avec le cockpit 3D, avec le grand écran 10 pouces. Voilà, c'est vraiment la version qu'il faut prendre. L'Active, voilà. L'Active, je vous déconseille l'Active. Après, si vous voulez prendre l'Active, vous prenez l'Active, hein, mais moi, si j'étais vous, j'aurais plus pris une version Allure, même sans option. Parce que l'Allure sans option est mieux que l'Active avec 2 ou 3 options. 2 ou 3 options
Voilà. Donc, et je vous le conseille plus en thermique, quand même, parce que l'électrique, déjà, l'électrique est cher, il a plus de 40 000 euros, hors que j'ai regardé sur configurateur. Le moins cher de l'électrique, il va partir de 43 000 et quelques. Donc ça commence à faire pas mal pour un 2008, parce que quand même, on peut quand même se payer un beau 3008 thermique Allure, voire peut-être même GT en thermique, pour ce prix. Donc je pense que, voilà, prenez une version thermique, en PureTech 100, 100 chevaux ou 130 chevaux. Mais voilà, c'est en essence ou quoi. Moi, je suis plus team voiture essence. Hein. Même si c'est courroie dans l'huile qui est pas fiable, je suis quand même team voiture essence. Donc voilà, j'ai. Voilà, après, si vous conseillez un 2008, je vous conseille en finition Allure, essence, boîte automatique. Voilà. Parce que là, de toute façon, l'active, je crois qu'il est. L'active, il a la boîte mécanique uniquement sur l'active. L'allure n'a pas de boîte mécanique, il me semble. Sinon, je crois qu'il n'y a que de l'allure sur la. L'allure, c'est que de la boîte auto, le AT8 et la EAT8, bien sûr, et uniquement le AT8 pour la finition GT. Donc voilà, bon. Donc voilà, donc pour le 2008, donc voilà, très bonne voiture, finition allure, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, on se retrouve pour les prochaines vidéos et au revoir.